commissariat Kouadebouquet, au niveau Kafouchada, et une patrouille et procédé en flagrant délit à l'arrestation de Rosné Wisley, Eglamon Ronald, Chéri Evans, qui était en possession de deux pistolets de calibre et 9 mm. Yon là c'est ZAM de service, un policier qui était braqué dans la zone ça. Et nèg sa yo, yo dit que yo fait partie tout de réseau ti on gang justement à diriger dans la zone ça et nous connaissons ti on gang ça lui-même son chef de gang que la police justement toujours a recherché activement. Le 22 juillet 2019, gagné plusieurs encore bandits et qui en échange de tirs avec un policier. Et heureusement, le policier ça lui-même lui en vie, il n'est pas blessé. Mais lors du champ de tir, il y a un bandit qui est tombé, qui est blessé mortellement. Et nous joignons sous bandit ça, un ZAM, un policier, qui a été braqué le 6 février 2019 dans la zone ça. Il a noté 3 pistolets propriété de la PNH récupérés lors de dernière intervention. Au niveau des casernes, aux environs de 2h, 2h45, une patrouille SWAT qui possédait à arrestation de 4 bandits qui étaient impliqués dans ZAC banditisme au niveau de la Saline. Joseph Miguel Depoula, Marco Vambas Derulus, Jorima Evea, déporté, était à Vive Canada ou déporté, et puis Kelly Jean-Baptiste. À savoir, dossier qui a traité au niveau de la DCPJ. Et concernant et Anel, Nabdi, enquête l'a pas approfondie. Pour le moment, il a cuisiné, monsieur, technicien yo, et policier, justement, et DCPJ. Yo. Et nous sommes capables de dire que nous sommes de très bonnes routes, mais pour le moment, sur de très bonnes pistes. Pour le moment, nous n'avons pas anticipé parce que l'enquête est secrète au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Mais il y a déjà 9 personnes qui ont arrêté dans la gang, dont le deuxième chef de gang, qui est Noël Gélin. L'autre arrestation a été faite, 2 ont été faites à Léogane, 2 ont été faites pour Port-au-Prince et 5 ont été faites au niveau Saint-Marc. De l'autre côté, porte-parole adjoint police nationale là, inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers annoncé, la police a mené diverses opérations contre bandits dans niveau Port-au-Prince et zone qui environne Lyon. Plusieurs unités dans la police là mobilisées dans cadre opération Sayo, d'après porte-parole adjoint PNH là qui mande collaboration population hein, dans cadre déroulement opération Sayo. Toujours dans micro Rachel Saint-Fort à Calorore dans les Jacques. Opération ça, je me dis tout à l'heure, l'éteint sur Port-au-Prince, mais notamment zone Martissan, zone Théâtre. Généralement, zone Sahel, pour le moment, il a créé un pile panique et des bandits justement, et qui crée des victimes au niveau population. Nabdi, il y a plusieurs unités de la police nationale qui sont impliquées dans l'opération ça, SWAT, Boy, Udmo, BIM, commissaire de Port-au-Prince et sous-commissariat. Et déjà, il y a 42 personnes qui ont arrêté pendant justement le lancement de l'opération ça au niveau de Déo. Et nous avons noté, dernier en date là, c'est Tony Derulus qui a gagné en notre les Kim Toto, chef de gang Bois d'Homme. Il était accompagné de Jean-Baptiste Gino qui continue à notre les Tiblan qui c'est lieutenant. Nous avons noté que Tony Derulus et sinon je dis Kim Toto était en possession de un pistolet de calibre et 9 mm. Opération s'est menée hier et 5 août 2019 là au niveau Martissan. Situation justement qui a déroulé au niveau Martissan, n'a dit un déploiement de forces de l'ordre et qui pour le moment a assuré contrôle et présence dans zone ça, dans zone Martissan et Théâtre National. Et il y a gagné plusieurs unités de la police nationale justement qui a mené opération et qui présent dans zone ça. Et nous demandons des populations justement collaboration dans sans ça parce que pas trop longtemps gagné des camions justement que des bandits détournés entrés avec eux dans zone yo et nous croyons que avec
collaboration population, hein, n'a capable justement d'arriver d'abord des contrôles justement dans la zone là, parce que déjà accès déjà occupé par agents de l'audio, mais tous les mounio prend camion et entre avec lui et nous connaît justement géographiquement comment zone ça situé, on camion qui rentre dans un passe et puis on sortit sur plusieurs corridors. Alors nous croyons que collaboration population est important pour nous dans ce sens là. Parallèlement, il y a un plan de sécurité tout qui d'application pour période festival là, et il y a 2317 policiers qui mobilisés justement pour capable couvrir justement événement yo, et pour nous contrôler tout mouvement culturel, mouvement au niveau diaspora yo, également au niveau sportif. Et déjà il y a plusieurs sites que nous couvrir lors du dernier festival. 15 juillet 2019 qui se passait là, commissariat Croix des Bouquets au niveau Kafouchada, et une patrouille procédé en flagrant délit à l'arrestation de Wesley Wisley, Eglamon Ronald, Chéri Evans, qui était en possession de deux pistolets de calibre et 9 mm. L'une d'un eux, c'est Zam de service, un policier qui était braqué dans la zone ça. Et Nexario, il dit que il fait partie tout de réseau Tiongan justement à diriger dans la zone ça, et nous connaissons Tiongan ça lui-même son chef de gang que la police justement toujours a recherché activement. Le 22 juillet 2019, gagné plusieurs encore et bandits et qui en échange de tirs avec un policier. Et heureusement, le policier ça lui-même lui en vie, il n'est pas blessé. Mais lors du champ de tir, il y a un bandit qui tombé, qui blessé mortellement. Et nous joignons sous bandit ça, un ZAM, un policier, qui a été braqué le 6 février 2019 dans la zone ça. Nous avons noté 3 pistolets propriété de la PNH récupérés lors de la dernière intervention. Au niveau des casernes, aux environs de 2h, 2h45, mon patrouille SWAT qui possédait à arrestation de 4 bandits qui étaient impliqués dans Zak banditisme au niveau de la Saline. Joseph Miguel Depoula, Marco Vambas Dirulus, Jorimar Evea, déporté, était à Ville Canada ou déporté, et puis Kelly Jean-Baptiste. À savoir, dossier qui a traité au niveau de la DCPJ. Et concernant et Anel, n'a dit enquête l'a pas approfondi. Pour le moment, il a cuisiné, monsieur, technicien yo, et policier justement, et les CPJ. Yo. Et nous sommes capables de dire que nous sommes de très bonnes routes, mais pour le moment, sur de très bonnes pistes. Pour le moment, nous n'avons pas anticipé parce que l'enquête est secrète au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Mais il y a déjà 9 personnes qui ont arrêté dans la gang. Dont le deuxième chef de gang, qui est Noël Gélin. L'autre arrestation a été faite, 2 ont été faites à Léogane, 2 ont été faites pour Port-au-Prince et 5 ont été faites au niveau Saint-Marc. Au niveau accident de circulation, il y a 52 personnes qui sont blessées lors de l'accident de circulation. Malheureusement, 17 personnes tuées, pardon, lors de l'accident de circulation. En total, nous saisissons 25 âmes. Pour période ça, pour mois de juillet, dans le bilan partiel ça que nous avons parlé justement. Chef d'accusation, c'est vol à main armée, braquage, vol moto, vol véhicule, détention illégale d'armes, homicide, assassinat. Et dans le même bilan ça, gagné plusieurs opérations qui menaient. Un coup de filet justement qui réalisait et qui conduit nous à arrêter plusieurs mondes qui fait partie d'un groupe gang qui spécialise dans le braquage. Georges Samuel, Tellus Hilaire, Louis Gichin, Dorval Ismaël Frisnel, yote gen en possession yon revolver de calibre 38 et yon pistolet de calibre 9 mm. N'ap noté pistolet ça que nous jouons dans même monsieur Zayo, c'est un pistolet justement qui était arme de service. Yon policier Simo, yon était braqué, il était pendant de la banque. Et policier ça a tout, il était blessé pendant le braquage ça. Chef d'accusation, vol à main armée, détention illégale d'armes, braquage, faux et usage de faux, parce que dans le même monsieur Sao, nous te joignons un faux 4 ministère de l'Intérieur.